Ça va mon chien? Le chien. Et elle met sa bouche après. Parce qu'elle donne à Missy, puis après Missy elle est en suspect, genre bah. Bah, redonne! C'est bon, ok! Bébé! Bébé! Mon bébé d'amour! Viens voir! Viens voir! Vite! Regarde mon bébé! Oh là là, la petite cousine! Tu cuisines? Oui! Tu nous fais un tuto recette? Alors là, en fait, je triche un peu parce qu'on est dimanche matin. Donc vous, si vous regardez le vlog dimanche soir, bah, en fait, c'était ce matin et pas hier. Mais en fait, hier soir, j'ai juste jeté un coup d'œil à vos commentaires et il y en a un petit peu qui m'ont demandé comment est-ce qu'on avait fait pour accrocher l'arche et pareil sur Instagram. Alors en fait, normalement, à savoir que il y a des genres de gommettes autocollantes, donc recto verso. En fait, t'es censé en mettre une sur chaque ballon, enfin pas sur chaque, mais tu dois en mettre sur des ballons. Et aussi le truc, ça va me faire. Le truc, c'est que normalement, en fait, t'es censé remplir ton arche à 90%. Tu mets tes gommettes, comme ça, ça colle mieux. Et après, t'es censé mettre les 10 derniers pourcents de tes ballons pour remplir un peu les trous, etc. Mais moi, j'ai pas rempli à 90%. En fait, j'ai juste fait l'arche. Et après, on s'est dit, bah, on va la coller. Donc, on avait mis, je sais pas, en tout, on avait eu une trentaine de gommettes. Je pense qu'on a dû en mettre une quinzaine. Un peu moins de la moitié. Je sais plus. Bref, je savais que c'était pas beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que tu
on pouvait pas en mettre plus parce que en fonction des ballons et tout, en fait on n'avait pas des masques qui touchaient le mur. Voilà, depuis se sont dégonflés, mais en fait comme par hasard, mais en fait c'était très compliqué. Et donc du coup on s'est dit on verra demain matin quand on se réveille, et ça a pas loupé. Mercredi matin quand on s'est levé, c'était tombé sur la table. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour accrocher, parce qu'on pouvait pas rester sans arche. Et en fait on a trouvé la solution de mettre des punaises. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent pas faire de trous dans leur mur, il y en a qui veulent pas, mais nous on s'en fiche. Après c'est notre maison, donc c'est encore différent. Mais du coup on a fait trois endroits, donc en bas, au milieu, et là vous l'avez vu tout à l'heure, en haut. Donc voilà, on a juste pris de la corde. On avait eu avec, des ballons, parce qu'on n'avait pas de corde. Donc c'était un peu la misère au début, mais on a su récupérer de la corde de certaines décos. Et en fait, on a mis une punaise, quoi. Et depuis, ça tient très très bien. C'est jamais tombé. Juste les ballons se sont dégonflés, forcément, depuis mardi. C'est pas grave, de toute façon, ce soir, ça sera enlevé. Vous voyez, là, il y a que des petits, alors que normalement, il y avait des gros. Donc voilà pour ça. Et ensuite, c'est pour ça aussi que je voulais filmer pour juste vous expliquer. Donc hier après-midi, Chris et Madeline, ils ont monté la cuisine, sachant que normalement il y avait une planche, je crois que ça doit être celle-là, celle du milieu. En fait ils nous ont envoyé deux fois la planche numéro 3 et du coup il nous manquait la numéro 4. Et franchement ils ont galéré, ils ont passé, je pense ils ont mis 2 heures pour la monter. Donc 2 heures pendant lesquelles moi j'ai fait les trucs pour demain, donc c'est là. Pour demain, non pour cet après-midi, enfin pour ce midi. La recette, je vous l'ai peut-être pas mis dans la vidéo, mais je vous la mets dans tous les cas dans la barre d'infos. Et donc du coup c'est pour ça aussi qu'on n'a pas été très présents. Même en vidéo, hier on n'a pas beaucoup filmé parce que déjà moi la nuit elle était compliquée avec bébé juste avant et j'étais fatiguée. Et j'ai passé l'après-midi en cuisine et à essayer de commencer à préparer la table là-bas, etc. pour dire de gagner du temps ce matin. Là je vous le cache pas, il est 6h49. Du coup je vais aller commencer le montage de ce vlog et commencer de tourner le prochain, ce que vous verrez demain, et commencer la journée quoi, parce que il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à demain. T'as fait tomber la couette. C'est ta patte, je vais l'éteindre. Hier soir déjà elle s'était mise en route. Ça va mon chien? Je suis fatiguée à mon cas. Et merci pour tous vos messages, elle va beaucoup mieux. Elle a eu une griffe quasiment au niveau de l'œil et du coup on a juste eu entre guillemets à mettre des gouttes là pendant 2-3 jours. Voilà, donc rien, en fait c'était plus de peur que de mal, mais ne vous inquiétez pas, elle va bien. Et merci beaucoup pour vos messages, ça touche.